bienvenue dans le Pépite Show. Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau du Pépite Show, votre émission musicale dédiée aux promesses du rap français et de la musique urbaine. Aujourd'hui, on accueille trois artistes. Poupi, on va commencer par elle simplement, bonjour à toi. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, la forme, merci beaucoup. On accueille aussi Coyote Joe Bastard qui est juste ici. Hey, tranquille. Ouais, comment tu vas? On est là. Je te sens en forme. On est en forme, ouais. C'est le maillot du Napoli, ça. Dédicace à Maradona, c'est ça? Non, Pétania, Andrea Pétania, mon pote. J'ai vu. Grosse connexion avec l'Italie. Toujours. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et évidemment, Larcé, bonjour à toi. Bonjour. Ouais, poteau. T'es en forme, Sanjour? Toujours. Bah écoute, je vais encore le rappeler, mais merci d'être venu sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. C'est très plaisir. Je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes déjà connu par le passé? Est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouvez dans la même pièce? Moi, je crois que je connais quelqu'un ici, mais je ne sais pas si les maisons de disques veulent que tu dises, donc tu fais genre. Okay. Si, avec Coyote, on s'est déjà retrouvé en studio. On s'est déjà capté en studio. Ok, mais c'est confidentiel, on ne va pas... Oh, ça sera dévoilé au moment où ça sera dévoilé. Elle a déjà posté une photo sur Instagram, il n'y a rien de confidentiel. Ouais, c'est vrai, en plus, ouais. Non, c'est Poupi, c'est la Russe, ça ne bouge pas. Bah écoutez, on prendra le temps de parler un petit peu de vos projets en cours et puis des choses qui risquent d'arriver pour vous dans les semaines, mois à venir. En deuxième partie de l'émission, en tout cas, bienvenue, enchanté et surtout, prenez place, mettez-vous à l'aise, on est là pour mettre le show et je compte sur vous pour ça. Le Pépite Show, c'est simple, il n'y a pas plus compliqué. Chacun d'entre vous va nous livrer deux performances aujourd'hui en direct, en live et en exclusivité pour la Pépite. Ok. Et en deuxième partie d'émission, comme je l'ai dit, on va justement parler de vous. On aura des petits entretiens à part et on va passer un bon moment pendant ce premier show. Avant de sortir son premier EP éponyme, vous l'avez sûrement vu dans la saison 8 de The Voice ou bien sur l'album de l'OVNI. Tout simplement Poupi dans le Pépite Show, c'est parti. Bienvenue dans le Pépite Show. Ils veulent que je réponde, mais je suis dans ma baignoire. Je rappellerai quand j'enfilerai mon peignoir. Ils disent que c'est blanc, mais je sais que c'est noir. Ils veulent que j'oublie, mais j'ai bonne mémoire. Mieux vaut seul que les mauvais. N'invente pas que tu me connais bien. Évidemment, je suis paré. Je suis pas comme les autres, pas vraiment. J'aurais voulu comprendre avant, je suis pas comme les autres. Tranquillement, je fais mon chemin, je veux pas ton temps, je suis pas comme les autres. Pas la peine de dire que c'est ma faute. Tu quittes le navire, t'es pas des nôtres. Je vais pas tout redire, donc prends des notes. Comme les autres, je suis pas comme les autres. Donc pas la peine de dire que c'est ma faute. Tu quittes le navire, t'es pas des nôtres. Je vais pas tout redire, donc prends des notes. Comme les autres, je suis pas comme les autres. Ils veulent que je sorte, mais je reste dans ma fusée. Je suis devant la porte et je crois que tout ça m'a usé. Ils veulent que je réponde mais ça leur plaît pas quand je dis ce que je vois. Et du coup je crois que mon cerveau me saute. Et chaque fois que je me sers dans le seau, y'a comme un truc qui s'avance seul, qui me dit qu'il faut lancer l'assaut. Je suis pas comme les autres, pas vraiment. J'aurais voulu comprendre avant, je suis pas comme les autres. Tranquillement, je fais mon chemin, je veux pas ton temps, je suis pas comme les autres. Pas la peine de dire que c'est ma faute. Tu quittes le navire, t'es pas des nôtres. Je vais pas tout redire, donc prends des notes. Comme les autres, tu es pas comme les autres. Pas la peine de dire que c'est ma faute. Je peux pas ralentir quand je pilote. Je vais pas tout redire, donc prends des notes. Comme les autres, tu es pas comme les autres. On poursuit avec un kicker originaire de Troyes, signé chez Get Music, le label de Feneux, tout simplement, Larcé sur le Pépite Show. Bienvenue dans le Pépite Show. Wow. Ouais, poteau. C'est comme si c'était fait pour moi, c'est là. Le respect, la loyauté, c'est ça qu'il faut. Je suis le meilleur en effet, mais je suis pas premier. On prend tout ce qu'il nous faut, nous on fouille comme des douaniers. Et je ne suis pas le doyen, mais j'ai comme l'impression que si, parce que c'est des voiriens. Et j'ai parlé en nous, si elle a cru que j'étais ivoirien. Mais je suis plutôt du côté de Bangui Poco. Et y'aura pas de retour à Péco. Après ça j'y vais tout droit, après ça j'y vais tout droit. Personne ne viendra t'aider tellement que je suis têtu. Quand je vais y arriver, je dirais qu'il était temps.
voilà battez-toi, voilà battez-toi, admire de loin et fais-moi des louanges. Il fait le gros sa voiture est louée. Et c'est l'art quand je m'énerve c'est Léo. Et je parle pas de Messi. Mais le premier qui bouge, il va se manger un péno. Et je suis un peu plus connu, je constate que la famille s'agrandit, je constate aussi que les amitiés baissent. T'es mal, nous c'est tout le monde que l'on pèse. Et on me compare à Marcus Thuram, trop fort, quand vas-tu signer, quand vas-tu s'épère. Franchement, ce serait super. Je désire un menu Whopper pour m'ouvrir l'appétit. Et je vais même manger le plus petit avant d'entamer le gros. À l'aise comme Enora Malagré. Léonard, tout va donner de la folie. Aujourd'hui je suis à Lille, demain à Napoli. Tellement observateur et calme que quand je parle on dit que je suis impoli. Et il me faut une Impala où je vais rouler Sten et fumer mon pilon. Et c'est toi que j'ai appelé. Mais t'as pas décroché, t'as pas appelé. Et aujourd'hui t'es venu te plaindre. Je disais, tes amis j'en avais plein. Si je suis pas en famille, y'a rien qui me plaît. Non, 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 non. Et ils veulent des filles bien pour leur cœur et des putes pour leurs couilles. À la fin ils diront que les putes leur brisent le cœur et les filles bien leur cassent les couilles. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. C'est pas fini mon pote. Écoute ça. Et je repars beaucoup plus que vénère. 200 km, c'est ce que m'affiche le compteur. Je suis dans la Jaguar vêtue d'alligator. Et je compte pas lâcher l'accélérateur. Je fais kiffer la direction qui fait l'ingé. Je suis trop violent d'après les personnes âgées. Dis pas que t'agis, si c'est au moment des faits. Toi tu t'es barré déjà. Et ça fait beaucoup trop longtemps que je rappe. Et je remarque que j'ai tout le temps l'anzala. J'irai me servir un rappeur à boire. C'est dommage car le cuisinier n'est pas là. Vous m'appréciez pas mais je suis dans vos palais. Et je suis navré mais j'ai pas le temps de vous cala. Je fais pas la resta, c'est juste que vous devenez collant. Et ma carrière doit décoller. Ouais poteau, 10.6. C'est méchant, la pépite, wow. C'est là. C'est comme si c'était fait mon pote. Get music. Sale, 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 sale. Larcy, merci beaucoup. Franchement, t'as rajouté encore plus de température. Je te jure, on va finir l'émission en maillot de bain. C'est clair et net, je te le dis. Les gants, ça va en être de trop. Je suis venu en doudoune, mais quelle idée de merde. Voilà. Il fait trop chaud ici. Sous 40 degrés là, je crois. Ouais, au moins, franchement, j'ai dit le thermomètre, on va le mettre pour la prochaine fois. Comme ça, vous verrez les choses en vrai, de vrai. Comment ça se passe. Je peux vous demander un peu vos impressions sur les performances de chacun, me dire comment vous vous sentez jusque-là. On peut commenter la performance. Ouais, exactement. Là, c'est l'équipe du soir, tu peux carrément te lancer. J'ai kiffé. C'est les deux seuls mots que j'ai à dire. Techniquement, ouais. Musicalement, tout. Bah, Poupi, au niveau de la surface de réparation, elle aurait pu donner le ballon un peu plus tôt. Non, mais en vrai, c'est cool, on est chacun dans notre truc. Personnellement, je fais pas de rap, donc c'est sûr que j'ai bien fait de me mettre au milieu. mais c'est cool, hein, franchement, ça fait plaisir d'être invité sur un programme comme ça. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Et je kiffe aussi. Genre, j'avais jamais vu des rappeurs rapper en live. Genre même pas sur YouTube ou quoi, je regarde pas trop les trucs comme ça. Et franchement c'est cool, ça envoie de ouf. Bah voilà, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir Coyote. Ouais, ça fait plaisir parce que tu découvres des trucs, ça découpe. Ouais. Et un son que tu connais, que t'écoutais dans ton AirPod Pro, désolé. On fait partie des gens. Ah mais ça, j'écoute le son. Là je découvre le son de Poupie différemment alors que je l'ai saigné dans mon. Je l'ai streamé. Ah merci mon chien. Tu me dois un grec, y'a pas de merde. J'allais dire un euro même. Et Larcy l'a envoyé, hein, il m'a donné. Bien vu, voilà. Ouais, franchement, à la fin, je sais pas comment ça va se passer cette émission, je vous le dis, je sais pas. On va essayer d'enchaîner quand même. Qui gagne. Hein? C'est bien sûr, bien sûr, il y a. Ah, mais fallait me le dire. Ouais, il y a un chèque, il y a des vacances, il y a même un véhicule à gagner à la fin. Attends, pour la prochaine, je me mets. Assouvez les vacances. Alors, ça, il faudra voir. Parce que si avec tu me dis Bordeaux, je veux rien gagner, je vais être le dernier. Hein. Ça va être Paris-Plage et ça va rien de tout. Poupie, t'es gagnante. Voilà, allez, on passe à la deuxième partie de cette émission, c'est maintenant. On poursuit un petit focus sur toi, Coyote Bastard, puisque tout à l'heure, tu nous as mis une petite envie de rapper un peu à l'ancienne. Je l'ai senti, il y avait quelque chose dans ta voix. Mais avant ça, j'avais envie de discuter un petit peu avec toi. Parce que je sens aussi que t'es quelqu'un de bavard et que t'as beaucoup de choses à nous dire. Non, ça c'est faux. On va parler que français, j'ai presque envie de te dire. Non, mais voilà, du coup, en ce moment, tu viens de sortir les meufs de Paname. Ouais, de ouf. Accompagné de son clip. Ça pète. Et puis même, t'avais sorti un EP, OnlyFans, juste pour tes fans, comme le nom l'indique. C'est juste pour mes fans. Sans penser à autre chose. On y retrouve notamment ton frérot Leto, avec le titre Shoot. D'ailleurs, franchement, le clip énervé. Très, très, très beau clip. Et au cours de ta carrière, t'as collaboré justement avec Sfer et Basta. Et il est arrivé de le faire à deux reprises, notamment avec Leto en 2016 avec le titre Daddy. Et j'ai envie de dire que la connexion s'était faite sur Instagram. Et du coup, ça te fait quoi, toi, d'avoir deux disques d'or en Italie? Je sais pas, en vrai, tu t'en rends pas compte quand ils arrivent dans ton salon. Je sais pas, c'est bizarre, en vrai. Et en Italie, en plus. Maintenant, tu vois, il faut conquérir le marché français, mais c'est toujours bien de s'exporter. Tu vois, quand on fait de la musique, on veut toucher tout le monde. Donc, c'est-à-dire que moi, comme il dit Tony, je veux le monde, Chico. Donc, c'est-à-dire que
la force de certains artistes aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à être programmés dans des festivals dans plein de pays. Et tu vois, moi, c'est vraiment le monde que j'ai envie d'avoir. Genre. Et sans oublier ma France natale, que j'aime. Eh ben écoute, je te souhaite de l'avoir aussi en France. Il n'y a pas de raison, de toute façon, si ça marche ailleurs, ça marche ici aussi. C'est vrai. Tout simplement. Tu as une ouverture musicale au-delà du rap et des influences US. Bon, on sait qu'il y a quand même un petit voyage qui t'a marqué quand tu étais plus jeune. Et je voulais savoir comment tu t'y prends pour apporter cette petite touche dans le rap français. Bah, tu vois, déjà, il faut avoir la mentalité, mais sans... Genre, en fait, c'est comme un acteur, il ne faut pas dépasser les émotions. Genre. Donc, c'est-à-dire que tu t'imprègnes d'un truc, mais il faut toujours rester au juste milieu de « Ah ouais, je suis quand même un Français, c'est quand même comme ça ». Mais en fait, faut te bercer, hein. faut te nourrir de ça tout en restant conscient de ce que tu es, de où tu veux aller et de où tu évolues. Je sais pas si tu as capté. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on est en France quand même, c'est pas les États-Unis. Si demain je fais un morceau, il s'appelle Bob l'éponge, je suis 3 fois platine, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais dire des ramassés de conneries, mais je me rappelle que je suis en France et qu'il y a des codes à respecter. Mais tout en prenant des top lines un peu US, tout ça. Ouais, j'avais envie de te poser cette question. La question, forcément, dès qu'il y a un artiste sous la main, on est obligé de faire un peu de promo. Qu'est-ce que te réserve la suite au-delà de l'été ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en préparation ? Moi ? Ouais. La vie, je sais pas. Hein. J'ai plein de sons et je dois les rendre. Ah. On m'a dit, il faut les rendre, là, et je vais les rendre. Et après, l'avenir. En tout cas, avant 2021, je pense qu'il y aura un bon compte rendu. Avant 2022, pardon. Il y aura un bon compte rendu. Et bah écoute, on suivra ça de près avec la pépite. Et puis, je te laisse maintenant désormais reprendre le micro et nous livrer ta deuxième performance. Ah, déjà ? Ouais, c'est déjà l'heure. Ah, merde alors. Coyote sur le Pépite Show, c'est parti. Bon ! Hey, Coyote de Bastard. La pépite. OnlyFans toujours disponible. C'est nous les plus gangs. Si je t'en ai plus. Ouais. Wow. Les autres aimantent, ils ont pas trop d'argent. Airbnb, j'emmène la petite sur les champs. Elle est foncée, elle pense que c'est mon appartement. Les ballons. J'ai trop donné, j'ai pas de frère, j'suis trop méfiant. J'y vais gentiment la première fois, après je la baisse. Y'a pas d'acteur, y'a pas de réal, j'suis pas Scorsese. C'est que la mif, c'est que le bif, c'est que le gang. 1, 2, 3, je sors le fer, ils font prise. 100K, 200K, 300K, 400K. J'empile et j'emballe, oh, je recompte la quicheta. 100K, 200K, 300K, 400K. C'est pas assez, j'empile que je passe pas. J'encompte la quicheta. Je peux jurer sur Baba, sur Mama. Que je fais le bif, la moula, je fais le cash. Dernière Balenciaga, c'est trop hard. Regarde la bitch en face, elle est trop hard. J'peux jurer sur Baba, sur Mama. Que j'fais le bif, la moula, j'fais le cash. Dernier Balenciaga, c'est trop hard. Regarde la bitch en face, elle est trop hard. Une nouvelle IA, j'me sens comme Mitch dans Paid in Full. J'suis trop carré, j'suis trop OG, j'la rends trop ouf. Là j'réponds à un message laissé en vue. La pute veut me revoir, mais là j'suis trop tendu. Je me sers une fois, je me sers deux fois, je suis trop rebou. La biatch veut me sucer debout, c'est une naine ou une meuf chelou. C'est le nord, revend la fiche, nous, hiver, short, Canada, the goo. Là, je viscère un ancien pote, je le vois en chelou. 100K, 200K, 300K, 400K, j'empile et j'emballe, je recompte la quicheta. 100K, 200K, 300K, 400K, j'empile et j'emballe, je recompte la quicheta. Je peux durer sur Baba, sur Mama. Que j'fais le bif, la moula, j'fais le cash. Dernier Balenciaga, c'est trop hard. Regarde la bitch en face, elle est trop hard. J'peux jurer sur Baba, sur Mama. Que j'fais le bif, la moula, j'fais le cash. Dernier Balenciaga, c'est trop hard. Regarde la bitch en face, elle est trop hard. C'est nous les plus gang, c'est nous les plus gang. Créa du Basta, sale. Yes, sir. Un peu d'Amérique dans cette douce France. Las Vegas, bébé. C'est le fuego sur le plateau de la pépite. Coyote Bastard, merci beaucoup, t'avais pas menti. L'enfer avant le paradis parce qu'il fait chaud. Il fait chaud de ouf. On poursuit avec Poupie. J'ai remarqué, on a pu tous s'en rendre compte sur le plateau, qu'il y avait des influences un peu reggaeton, reggae dans ta musique. Ouais. Ça vient d'où ? Eh bah, ben, en fait, ça vient de... J'ai déménagé plein de fois et j'ai habité dans plusieurs pays, etc. Et notamment en Espagne. Là-bas, j'ai découvert toute la culture reggaeton et tout. Trop bien. Direct, je suis tombée amoureuse de là-bas. C'est trop bien. Et du coup, en fait, à chaque fois que je bouge dans un endroit, dans un autre, je m'imprègne beaucoup. Et dans ma musique, je retranscris directement tout ce que je vis, en fait, ailleurs. Le Sud. Toi, t'es quelqu'un du Sud, en fait, tout simplement. Ouais, alors que pourtant, je suis née pas trop dans le Sud. Mais en fait, en vrai... Je pense que c'est des mentalités, tu vois. C'est...
Mais tu me diras, dans le Nord, il y a des gens gentils aussi, hein, je sais pas. Je sais pas si on parle de la France ou d'ailleurs, parce que dans le Sud, ouais, je sais que je t'entends bien avec les gens du Sud. Ouais, t'as fait un feat avec Jules, justement, ouais. Et intitulé Feu. En coulisses, comment ça s'est passé avec le boss de Marseille? Bah, en fait, hyper simplement, je lui ai envoyé un message parce que la chanson, je trouvais qu'elle allait trop bien avec son flow et tout. Et il m'a répondu très rapidement et il m'a envoyé son couplet très rapidement parce que c'était en temps de Covid, donc pas de studio, rien du tout ensemble, on s'est pas vu. Mais par contre, il est incroyable, tu vois, on se parlait directement au téléphone, etc. Et c'est quelqu'un qui est très humble. Mais déjà, pour accepter de faire une collaboration avec quelqu'un sans contrepartie, c'est-à-dire que moi, je suis personne, il n'y a aucun avantage pour lui, on va dire, si ce n'est donner la force. Donc ça, c'est magnifique. Franchement, je suis très, très heureuse de cette collaboration. J'ai beaucoup de chance. Surtout que le résultat était très, très, très cool. Donc franchement, merci. Très, très beau geste de sa part. Ça va très bien avec le personnage qu'on connaît. Le J, c'est le S. Eh bien, écoute, Poppy, c'est parti. Deuxième performance. À ton tour. Bienvenue dans le Pépite Show. C'en est fini, toujours sur le feu. Je ne suis méchante que dans tes beaux yeux. On n'a pas changé, c'est toi. Toi, tu dis pas ce que tu veux. On a de la chance d'être là. Tu sais, mon temps est précieux. On n'a pas flanché, c'est moi. Je vais te faire des aveux. Je sais, c'est chaud d'être toi. Mais être moi, c'est pas mieux. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. T'es dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, je fais le feu, pas de l'eau. La peine et des fois, chez nous on dit pas je t'aime par sympathie. Ouais, c'est avec amour les efforts. J'avais de la haine, mais elle est vite partie. Ouais. Quand j'ai fumé le pâté du soir, j'ai le meilleur, c'est ce que ma maman m'a dit. Ouais, alors j'mets le feu quand je suis sur la scène. J'arrive en claquette dans le showcase. Comme si j'étais seul sur la terre, comme si je n'avais jamais sommeil. Quelle vie que je mène, quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes, le bonheur, les problèmes. J'vais mettre le feu comme Tony. Je fume un pet sur les démons de minuit. Moi je sais pas danser comme Tony. Je reste dans mon coin quand je fais l'alcoolique. Je m'en fous de tout, je suis ailleurs. Je m'en fous de toi et de lui. Et quand je l'aime, ils me souhaitent leur malheur. Mais moi je suis au top dans ma vie. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. T'es dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu pas de long discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour. Quelle vie que je mène. D'été, je ne serai plus endetté. Non, je ne voulais pas te jeter, mais les gars ont des envies de thé. Et à 4 ans, je suis occupée. Tu ne me trouveras pas sur le canapé. Non, maintenant que je pars, tu n'es plus une priorité. Quelle vie que je mène, quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes, le bonheur, les problèmes. Quelle vie que je mène, quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes, le bonheur, les problèmes. Le pire pour nous, c'est de t'avoir au. Mes fautes de parcours. Tu connais, je mets le feu, pas de long discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour. On ne joue plus dans la même cour. Et je mets le feu, plus dans la même cour. Et je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Et je mets le feu, je mets le feu. Poupi Fit Jules Feu sur le plateau de la Pépite, merci encore à toi. Merci à vous, merci. Franchement, c'était un vrai kiff. On va se laisser avec une dernière performance, c'est à ton tour, Larcé. Tu as notamment collaboré avec Weshden sur le titre Trahison. C'est ça. Le producteur Fenu est également passé dans un de tes clips, qui est Flo. Comment s'est passée votre rencontre? Ça a eu lieu quand? Avec Fenu? Ouais. Bah, figure-toi que c'est parti d'un live Instagram. Ok. Un live Instagram, j'étais chez moi avec mes cousins. Et il y a un zinc à moi, un cousin à moi, J2R, d'ailleurs, gros big up à toi. Il m'a forcé à aller dans le live Instagram à Fenu. Au début, je voulais pas, je disais que j'allais pas être pris et tout, que c'était pas possible, il y avait trop de monde. Et du coup, j'ai laissé. Et 30 minutes après, j'y suis allé. Et dès que j'ai fait ma demande, en fait, j'ai été accepté directement. Du coup, ça tournait. Et
moi, comme j'habite dans une petite ville, t'as vu, c'est compliqué de se faire repérer. Et j'étais dans l'euphorie, j'ai couru dans la chambre à ma mère. Tu m'échappes, c'est un moment, c'est... Wow. J'ai couru dans la chambre à ma mère. J'étais tout heureux, j'avais un grand sourire et j'ai fait ce que je vous fais actuellement. Ça fait plaisir d'entendre des grands noms aussi de la musique qui n'hésitent pas à ouvrir leurs portes chaleureusement comme ça. C'est vraiment, ça fait plaisir à entendre, vraiment. T'as d'abord commencé à te faire un nom, toi aussi, avec une série de freestyle. Comment ça s'est passé à l'époque? Comment t'avais prévu la chose? Les bienvenus. En fait, de base, quand j'ai commencé à rapper, c'était... De base, j'avais commencé dans un groupe, le rap. Après, il y en a qui se sont décidé d'arrêter, histoire de religion, histoire de meuf. Et du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas voulu lâcher. J'ai continué jusque-là. Et j'ai commencé avec une série de freestyle qui tourne pas loin dans les 50 000 vues, t'as vu. Ça s'appelait les freestyles sans titre. En fait, c'était des... j'avais pas d'idée de titre. Du coup, j'ai appelé 100, 200, 300, 400, 400. Ça, ouais, c'est bon, j'ai vu ça. Ouais. Tu vois, il veut rien savoir sans titre. Ouais, voilà, freestyle sans titre. Productivité. Ouais, et du coup, après, bah, il y a eu les bienvenus. Ce qui a fait que, voilà, je suis là. Allez, bientôt la vie d'artiste. C'est ça. Et est-ce que tu prépares un projet là en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cours? Ouais, ça fait un bon bout de temps que je prépare un projet. En plus, je l'ai promis dans un son à moi. Et du coup, je vais être obligé de le renvoyer et je le prépare. Et j'en dis pas plus. Tu peux pas en dire plus? Non. Très bien. Bah, en tout cas, je pense que ça va arriver très prochainement. Ouais. Il y a moyen qu'on... D'ici quelques semaines, tes fans soient... Moi, j'ai une petite question. T'es content? Ah, une question? Alors, c'est... Dis-moi. Est-ce qu'on peut dire que t'es passé par Feneux? Désolé, ça me démange, je voulais être là. C'est là, excellent. Merci, la pépite. Et c'est parti, Larcé, pour ta deuxième performance au plateau de la pépite. Go, go, go. C'est 40 degrés. Ouais. Ouais, poteau. La pépite. C'est tout à fait normal. Oui. Il est 3h30 du matin et j'écris calmaté. J'suis avec Joe, Bastard et Poupi, c'est pas de la calamité. D'ailleurs j'augmente la tonalité. La carrière à Johnny Hallyday. VNEU, elle est putain d'idée. Pendant que toi tu nous fais un dodo. Comment ça me dément? Ça m'aime. Franchement, voilà je suis ému. Ce qu'on accomplit te fout la haine. Parce que nous c'est tout complice. Si jamais ça nous plaît pas, on déblaye. 19 piges, j'ai les statistiques à bail. Un peu trop habile, c'est l'art qui va à balle. Gros, c'est comme ça quand t'as la dalle. Et on te raquette, mais y'a pas de Nadal. Écrase mon tête si t'as Nada. Comment? Y'a qu'à ma famille que je peux nédo. Let's go. Donc toi, silence et nédo. Et la victoire est bonne, on la savoure. L'arme, c'est le savoir. Et nous, on la saveur. D'ailleurs, il s'avère, je suis un peu sévère. Demain, une averse. Et les rôles s'inversent. Comme il voit que je suis un bon numéro 1. Il, à part, il veut manger son pain. Mais c'est ballot, c'est pas mon copain. De tes affaires, il faut s'occuper. Et Bouli pour clipper, elle compte s'abonner pour kiffer. C'est moi le meilleur. Et je laisserai rien passer, je suis comme Manuel Neuer. C'est là. Merci, en feu. Merci pour la dédicace. Hein. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas dédicacé. Ça me fait plaisir. Bien joué les bacs aussi. Ouais. C'est ça qu'on c'est veut. C'est fusionnel. Bah. Ouais, c'est ça. En tout cas, le Pépite Show, c'est déjà fini. On a été ravis de vous avoir reçu sur notre plateau. Un grand merci à vous trois. Merci à vous. Ça fait plaisir. Ouais, et pour rappel, je vais quand même rappeler un petit peu vos sorties. Niveau single, Coyote, il y a LMDP qui est disponible. Poupi, il y a Thelma et Louise aussi qui est sorti. C'est une super ref, j'ai kiffé. Et Larcé, il y a Goldsetter qui est dispo. Allez directement. Allez streamer. Franchement, Larcé, si vous n'avez pas streamé, c'est grave. Donc allez streamer maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Bao. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir en commentaire, évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Gros big up à notre DJ Addy Boy juste là, sans qui ce serait pas possible. Et le studio Prohibition, force à eux. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro ici et pas ailleurs, simplement sur le média La Pépite pour suivre de près les artistes incontournables de demain. On se retrouve très vite sur le Pépite Show. Merci beaucoup. Dans le Pépite Show.